facile. Réfléchis. Je t'ai enfermé dans une petite boîte en métal, suspendue de manière précaire au-dessus d'un gouffre mortel. Et si je faisais sauter les freins d'urgence et te laissais tomber comme un sac de chiots? Dis bonne nuit, Batou. Ouh! C'était pour rire. Je te réserve quelque autre surprise. Prépare-toi à affronter de peur. Toutes tes peurs. Il n'y a pas de crainte. Ils sont seulement les vôtres. Oh! On dirait que le bon docteur a commencé tout. Ton rendez-vous n'est que dans plusieurs heures. Je suis sûr que tu planeras quand il sera prêt. Dis-moi, Batou, de quoi as-tu vraiment peur? De ne pas réussir à trouver ce cloaque de ville? De ne pas trouver le commissaire à temps? De me voir en string? S'il vous plaît, aidez-moi, Batman! Non! Jim. Barbara, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Barbara, vous êtes là? S'il vous plaît, veuillez raccrocher. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais, tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici.
dû lui résister, mon fils. Comme un homme. Maman ? Aide-nous, Bruce ! Ne nous laisse pas mourir ! Je vais bien. J'ai eu une petite dispute avec l'épouvantail, ça m'a ralenti. Je reviendrai bientôt vers vous. Donc voilà, des séquences extrêmement fortes, ces apparitions de l'épouvantail. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. La première fois que j'avais joué au jeu, mais j'avais halluciné, quoi, je veux dire. Là, le personnage, j'ai extrêmement respecté. Extrêmement bien respecté. Hop. The Great White Shark. Un ennemi que je connais très peu. Mais alors vraiment peu. Est-ce qu'il fait pas une apparition dans Halon Halloween ou Amère Victoire, lui, je sais plus. C'est une espèce de Black Mask en fait, hein, en devenir. Hein. Il est où? Il est là. C'est une espèce de Black Mask. Yeux bruns, cheveux, aucun. Ouais, il est... Grande compétence financière qu'il utilise pour de nombreux crimes. Visage balafré qui le fait ressembler à un requin. Ah bon? Dents taillées en pointe. Ouais, il n'a aucune affiliation avec l'animal, quoi. Requin. C'est juste parce que c'est un... Un requin au sens figuré, dans le milieu des affaires. Très bien, écoutez, je connais pas du tout cet ennemi. Qui est un ennemi de seconde zone. Et du coup...
J'ai l'amélioration de l'armure level 3. Moi, je crois que je vais opter pour le Batarang Teleco. C'est toujours sympa, ça, à gérer. Par contre, à mon avis, il est inversé. Attendez. À mon avis, il est inversé. Ah non. Par contre, il est pas du tout maniable. Waouh, putain, quand t'as joué à... Et on peut pas l'accélérer, on peut pas le ralentir. Là, on est vraiment sur la version 1.0 du Batarang télécommandé. Il est pas du tout maniable. Waouh, la vache. Hyper raide. Ils ont fait de grosses améliorations à ce niveau-là dans Arkham City. Et ça me choque parce que c'est pas un ustensile que j'utilise souvent. C'est pas un gadget que j'utilise souvent dans Arkham Asylum. Parce qu'autant dans City, dans Origins, on te force à l'utiliser pour débloquer des trucs de l'homme mystère. Mais dans Asylum, il a aucun intérêt propre. Le Batarang télécommandé. Tu peux finir le jeu sans t'en servir une seule fois. Même, t'as même pas... C'était pas Gordon. Le gaz de Crane m'a sûrement plus affecté que je ne l'imaginais. Ah, c'est bon, c'était pas Gordon. Tu as du mal à faire la part entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une invention de ton petit esprit tordu. Moi, c'est pareil. Fais avec, Batou. C'est plus facile quand tu abandonnes. Vraiment. C'est bizarre, je me rappelais pas de ces musiques là. Est-ce que ça a pas été rajouté sur le remaster, c'est bien. Ah quoi que non, celle-là je m'en rappelle. Bon. Ouais, hop. Séché. Ma tête dans le mur. Une dernière énigme et tu pourras avoir Gordon et un peu plus. Oh, je suis impatient. J'aime bien Batman qui voit le corps du policier mort là, enfin du garde, et qui se réjouit, tu sais. Ah, ouf, c'était pas Gordon. Aucun sens. Bon, c'est pareil, l'épouvantail, c'est vrai que c'est un ennemi qui a été sous-exploité au cinéma. Hein. Autant, j'aime bien le Jonathan Crane interprété par Cillian Murphy dans Batman Begins. J'adore Cillian Murphy, c'est un de mes acteurs préférés. Et j'aime sa prestation en tant que Jonathan Crane. Mais sa prestation... Enfin, le problème, c'est le côté trop réaliste de Nolan qui colle pas à l'épouvantail, en fait. Parce que t'as un mec en costard avec un sac à patates sur la tête. Et puis son gaz hallucinatoire, il est pas bien rendu, je trouve, dans le film de Nolan, en fait, parce qu'ils ont voulu faire un truc hyper réaliste qui provoque la panique chez les gens, en fait, mais c'est pas un truc qui te provoque des hallucinations, en fait. C'est juste que ça te déforme un temps soit peu la réalité, ce que tu vois en face de toi. Mais à la base, l'épouvantail, il a quand même un gaz psychotrope extrêmement puissant qui te fait avoir des hallucinations, quoi. Et c'est pour ça que les gens se butent entre eux, finalement, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un dragon en face d'eux, ou je sais pas quoi. Ou ils se mutilent, tu vois. C'est genre, ça fait effet champignon hallucinogène, quoi. T'as l'impression que t'as des serpents à la place des doigts, donc du coup, tu te coupes les doigts. Enfin, tu vois, c'est... Bon, après, c'est un peu violent et un peu trash, hein, dit comme ça. Cher commissaire de police, dans mes jumelles, regarde. Ah ouais, à pour ordre de tuer le vieux, si l'un de mes hommes pense que tu es dans la salle, il patrouille en bas. Je leur ai dit que tu étais honte. Voilà le marché. Si tu arrives jusqu'à Harley, sans qu'ils s'en rendent compte, je te donnerai ton prochain cadeau. Échoue, et le vieux bonhomme meurt. Tiens, je te donnerai même Harley, peut-être. Tu pourras avoir besoin d'un nouveau partenaire. Donc là, on a l'ours en peluche de Bane. Oizito, je crois qu'il s'appelle. Quelque chose comme cela. On a la carte des secrets. Et là, le mystère va nous troller. J'espère que ça se révélera utile. J'ai essayé de finir le jeu sans ramasser les cartes. Tu débloques pas de succès ou quoi que ce soit. C'est juste un troll de l'homme mystère, en fait. Qui te ferait presque croire qu'il y a un truc à débloquer si tu finis le jeu sans les cartes, mais c'est des foutaises. Que tu la prennes ou pas, ça change rien. Il ne veut pas que Batman récupère le vieillard.
si quelqu'un s'en approche, c'est pas moi qui porterai le chapeau. Pas de problème. Je laisserai rien passer. Batman sera un homme mort, et je serai célèbre. C'est ça. Va là-bas et continue à regarder. Vas-y! Écoutez, les gars. Le commissaire meurt si l'un de vous repère l'autre taré de chauve-souris. Quand c'est le cas, Harlan tue le vieux. Une grosse récompense attend celui qui le verra en premier. Je crois que j'ai fait le coup parce que l'autre là-bas il va voir son pote mort. Et du coup il va appeler les flics. Enfin il va appeler les flics, je me comprends quand je dis ça. Ouais non, c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Ah ça c'est une pièce dans laquelle on peut pas revenir plus tard en fait, c'est scripté. Et cet endroit là on peut pas revenir plus tard dans le jeu, donc du coup il y a rien à y trouver. Ah si, regardez, il y a juste ça là-haut. Ah, mais du coup comment ça se passe si je le ramasse pas ce trophée? Bonne question, parce que cet endroit là on peut pas y revenir. Merde, j'ai fait le con. Parce qu'il est détruit me semble-t-il. Ah, je dis peut-être des conneries, mais j'étais persuadé que cet endroit-là allait être détruit. Et que du coup, si tu ramasses pas le trophée, comment ça se passe? C'est ça la question. Vous avez mis pas mal de temps. Il est incontrôlable. Il essaye de prouver quelque chose. Je ne sais pas si je pourrais l'arrêter cette fois. Vous y arriverez. Batman, écoutez. On n'est pas seul. Il y a quelque chose d'autre ici. Je ne sais pas ce que c'est. Quel sale bouchard! Il gâche la surprise! Tais-toi. Oh, je t'ennuie peut-être! Oui, parfait. Je sens que tu vas adorer la suite. Il veut l'identifiant du Dr. Young. Ce n'est pas important. Passez derrière moi, vite. Bane. Je croyais qu'il avait pu blaguer. Fais-moi descendre. Mais qui t'a fait ça? Le Dr. Young, la bourra. Elle a pompé le venin dans mon sang. Il faut l'arrêter. Désolé, petit Bane. Ce cher docteur ne sera bientôt plus un problème. Vous aimez ma marionnette? Et si on le libérait? Gordon, fuyez! Alors là, si j'ai pas de conneries, faut étourdir quand il te court dessus. Faut profiter du moment de faiblesse, mais pas trop s'éterniser parce que... Ah voilà, putain, je fais le con. Ok. Il est invulnérable. Hop. Dans les phases normales, faut vraiment que j'attende qu'il soit stun. Et là, cinématique. Hop. Là il fait un gros coup tapé au sol, ok. Ça je m'en souviens. De toute façon le combat contre Bane c'est le même combat contre tous les ennemis du jeu, on peut dire. Tous les espèces de trash mobs et les boss. Comment il va? Ah là là, le revers quoi.
Hop là. Je t'oublierai pas du papier. Hop, ça passe. Allez, faut que je finisse. C'est bon, ça passe. Ouais, il n'y a vraiment pas d'originalité dans les combats de boss. C'est un des gros défauts de Batman Arkham City. De Asylum, pardon. Et vous me direz de la City aussi, parce que les combats de boss dans Arkham City sont pas forcément plus mémorables. Pour moi, le meilleur à ce niveau-là, ça reste Origins. Il n'y a pas de problème. Je vais très très loin. Et même dans Arkham Knight, j'ai pas souvenir de combat de boss épique. Hein. Il y avait beaucoup de foutaises avec la bagnole. Hop là. Et j'ai du mal à croire que ce Bane est le même qu'on a combattu dans Arkham Origins. S'il paraît un peu plus stupide quand même. Allez hop. Il paraît un peu plus demeuré celui-ci de Bane que celui qui était dans Origins. Alors qu'on est dans la même saga, hein, logiquement. Hein. Le dernier ennemi qui a disparu du terrain. Jim, où est Quinn? Partie. Elle a dû s'enfuir pendant que Bane vous balançait partout. Il faut qu'on vous sorte de cette île. Je ne suis pas un bleu. Je sais me protéger. Je te briserai, Batman! Et ensuite, la brouhaha! Non, Bane. Cette fois, c'est mon tour. Ah, cette fois, donc ça veut dire que l'épisode Nightfall où Bane pète le dos à Batman est bien survenu dans cette timeline. Et une fois de plus, c'est ce que je disais au début du Let's Play, c'est intervenu durant les 8 ans qui séparent Origins de Arkham Asylum. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. C'est trop dangereux ici. Je ne veux pas vous laisser ici. La radio dit qu'il a semé des bombes dans tout Gotham. Si c'est vrai, vous devez y aller. On est prêt à y aller, monsieur. Bane a traité Young de Brora. Ça veut dire quoi? Sorcière, en espagnol. Beaucoup de choses qui se passent hein, entre Asylum et City dont on ne verra jamais rien et ça fait chier. Oracle, piratez les ordinateurs de la ville. Rassemblez tout ce que vous pouvez sur le Dr. Young. J'analyserai tout ce que vous aurez trouvé une fois arrivé dans la grotte. Une Batcave sur l'île d'Arkham? Je l'ai construite il y a des années. Mieux vaut être prévoyant dans de telles situations. Comment avez-vous réussi à la tenir secrète? C'est moi, rappelez-vous. Quoi? Le Dr. Young aurait fait des expériences avec le venin, le même produit qui a transformé Bane en cet animal? Oui, je suis inquiet. Bane semblait plus puissant que d'habitude. Le Joker veut le venin, et ça ne peut que nous amener des problèmes. Je me rends au point de l'homme mort, dans Arkham Nord. Je vous contacterai quand je serai dans la Batcave.
Une autre énigme facile. Ne fais pas trop fier, Batman. C'est Batman! De l'homme mort. Pendant 100 ans, c'était l'endroit préféré pour se suicider sur l'île d'Arkham. Oui, je sais. Un jour, j'ai empêché un malheureux interné de se jeter dans le vide. J'ai trouvé l'entrée d'une grotte et au fil des années, j'y ai entassé un tas de réserves. C'est un peu comme un second chez soi. Bon. Alors en ce moment, je suis en train de lire Dark Knight Returns. Voilà, je l'ai acheté. Et bon, c'est pas vraiment un spoil. Mais ce sera probablement le prochain numéro de Cos Comics. Ma review spécialisée comics. Et alors je sais qu'il y a un point d'interrogation ici à reconstituer, mais je me rappelle plus du tout où il est. Par contre, il faut toujours aller voir dans ces petites guitounes. Bam! Entretien avec un patient enregistré numéro 17. Le Joker reste peu coopératif. Mon ancien diagnostic reste vrai. Je crois qu'il aime trop sa personne. Quoi de neuf, Doc? Aujourd'hui, essayons quelque chose de différent. Vous allez me faire rougir, Doc! J'ai une petite amie. Le docteur Quinzel, je sais. J'ai vu les enregistrements. J'ai vu ce qui s'est passé. Que dit-il? Je suis un charmeur. Passons. Je pensais qu'il serait bon de parler de votre enfance. Déjà entendu parler de romance, Doc. Je ne lâche pas les infos comme ça. Faites plus d'efforts. Que cachez-vous? Vous ne m'avez pas entendu. Grattez-moi le dos, Doc, et je ne vous emballerai pas dans du plastique. Et je ne vous jetterai pas dans un caniveau. Il y a souvent des enregistrements dans ces petites guitounes et des trophées. Si tu le dis, un groupe de connards. Alors par contre, ce que dois-je faire? Parce que j'ai des coupures entre... Vous les voyez pas forcément, mais il faut savoir que on n'est pas... Je tourne pas tout d'une seule journée, hein, d'une seule traite. Donc il se peut qu'au sein d'un seul et même épisode, moi j'ai fait une coupure de 24 heures, voire plus. Voire plusieurs jours. Et donc là je viens de reprendre. Voilà, c'est pour ça. Du coup, faut que j'aille... Ok. Ah oui, au point de l'homme mort, c'est ça. Bon par contre, il y a une bande de connards là-bas éliminés. Pourquoi j'avais un Y illumination? Ah oui, mais parce que j'étais pas en position furtive en fait, c'est pour ça. Ah, ils sont relous. Voilà, dans les tuyaux. Ouais, donc je disais que j'étais en train de... Enfin, j'avais commencé la lecture de Dark Knight Returns et que ce sera probablement le prochain numéro de Cos Comics. Vous aurez remarqué que Cos Comics, c'est une review qui est complètement différente de Cosmic Show sur l'ancienne chaîne. Hein. Cosmic Show, c'était... Je passais en revue toutes mes lectures à une époque où je lisais assez souvent.
Et j'ai changé mon rythme de lecture, en fait, c'est-à-dire que je ne suis plus du tout les séries en cours. Je préfère me consacrer aux grands classiques. Par exemple, on a vu Birthright, on a vu Justice League Icons d'Alex Ross. J'imagine que je vais acheter Dieu est mortel, je crois, de Wonder Woman, enfin de George Pérez sur Wonder Woman. Voilà, je préfère maintenant me consacrer aux classiques et restreindre mes lectures, les limiter en fait, les diminuer. Non seulement parce que je n'ai plus autant de temps qu'avant pour la lecture, je lis beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, j'ai drastiquement diminué mon rythme de lecture. Pour plusieurs raisons, hein. J'ai mon boulot, voilà, je fais 40 heures par semaine, avant j'en faisais moins, enfin bref. Donc il y a plusieurs raisons qui font que j'ai diminué mon rythme de lecture. J'ai la maison aussi à m'occuper. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons. Il y a également une autre raison que j'évoque pas souvent, mais c'est le fait que, ben, à force de lire de la merde sur les New 52 et Rebirth, j'ai un peu perdu le goût de la lecture. Voilà. J'ai toujours la passion DC Comics, elle ne m'a jamais quitté, elle est toujours là. Mais c'est vrai qu'au niveau des lectures comics, j'ai un peu plus de mal vu que j'ai passé pas mal de temps à lire de la merde. Voilà, les Superman Rebirth et compagnie, c'était compliqué, quoi. Vous imaginez bien. Et donc du coup je préfère consacrer le peu de temps que j'ai et le peu d'argent que j'ai à consacrer aux comics à de bonnes lectures. Donc je me dirige sur des grands classiques de la lecture comics. Dark Knight Returns en est un. Et c'est la lecture que j'ai en cours actuellement, voilà. Parce que je ne l'avais jamais lu. J'ai lu pas mal de grands classiques sur Batman, mais pas celui-ci. Donc mieux vaut tard que jamais. Et j'étais pas chaud J'étais pas chaud quant à l'idée de le lire, Dark Knight Returns, parce que clairement, très clairement, je n'aime pas du tout le dessin. J'ai vraiment, vraiment du mal avec le dessin. Et souvent, quand je me baladais dans les librairies et que je feuilletais Dark Knight Returns, je me disais, ok, l'histoire est géniale. Je connais l'histoire étant donné que j'ai vu l'OAV. Donc l'histoire est super cool, mais par contre, le dessin, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible, quoi, pour le coup. Enfin bref, c'est comme ça. Et nous nous rendons donc au point de l'homme mort, qui est un endroit où viennent se suicider les détenus de l'asile d'Arkham. Les patients, devrais-je dire. La douleur et la souffrance qui s'insinuaient dans les veines de Gotham furent ressentis partout. Par mon père d'abord, touché par une terrible maladie. Ma mère survécut, mais dans son monde. Je rejoignis la maison familiale pour m'occuper d'elle, tandis qu'elle conservait le lit jusqu'à son dernier souffle. Ses pleurs me tenaient éveillé la nuit. Mais voilà, tout ça pour vous dire que faut pas vous étonner de voir une diminution d'activité sur la chaîne. Vous inquiétez pas, hein, ça veut pas dire que j'arrête ou quoi que ce soit. Je continue, c'est juste que voilà, il y a un rythme qui va s'instaurer sur cette chaîne et qui va devenir petit à petit le rythme de croisière officiel de la chaîne. C'est-à-dire que là, 2 à 3 vidéos par semaine, c'est quelque chose que je ne peux plus me permettre. Non seulement parce que mes vidéos sont un peu plus travaillées qu'avant en termes de montage, mais également parce que ma vie à côté me demande de plus en plus d'être présent. Voilà. Donc du coup, ça va pas aller en s'arrangeant, parce qu'après, j'imagine bien que j'aurai des gosses. C'est quand même le but dans une vie d'avoir des gosses, donc du coup, voilà. Je vais diminuer tranquillement le rythme de publication sur la chaîne, mais jamais l'arrêter complètement, parce que c'est ma passion. Donc on n'arrête pas comme ça une passion. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu me consacrer uniquement à DC Comics, parce que je peux plus me permettre de faire tout et n'importe quoi sur YouTube, étant donné que j'ai plus trop le temps pour ça. Donc je préfère me concentrer sur un truc, en fait. Ça, vous l'aurez compris. Du coup, je sais qu'il y a un truc ici. Voilà.
Tu as trouvé celui-là. Désolé, ce n'était pas un défi très dur. Je manquais de temps. La petite Batcave que s'était conçue Bruce dans les fondations même de l'asile d'Arkham, enfin sous les fondations de l'asile d'Arkham, parce qu'il sentait le coup arriver, hein. il est toujours prévisible, Batman. Enfin pas prévisible, prévoyant, pardon, je confonds. Au contraire, il est rarement prévisible. Activation. Dr. Young dirigeait un projet, un gros, financé par des fonds externes. Voici ses dernières notes. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait qu'elle faisait des tests sur les patients d'Arkham. Ce nouveau produit chimique ressemble à peine au venin d'origine. Un certain nombre de changements amplifient la force de la drogue. Il y a de nombreuses références à une formule titan. Même en petite quantité, elle pourrait déclencher une transformation chez l'hôte. Et les réservoirs requis par Bane ne seraient plus utiles. Attendez, ces notes sont incomplètes. Il manque la formule. Ce doit être le secret que le Dr. Young veut cacher. Si le Joker met la main dessus, il créera une armée de 1000 Bane. Bon sang. Le Joker est assez fou pour faire ça. Évidemment, oui. Il faut l'arrêter. Et la batte griffe, un de mes ustensiles préférés. Un de mes bad gadgets préférés. Parce qu'avec ça, on peut tout faire. Même le café. Le bat café, devrais-je dire. Je vais la chercher. Elle allait au manoir avec Cash. Alors, il y a un tuto. Je passe par les catacombes. Ah, mais du coup, j'ai pas la bad griffe rapide encore ? Normalement si. Attendez. Ah non, c'est pour quelque chose qui a été rajouté sur Arkham City. La batte griffe rapide. Dommage. Ah si, je l'ai. Mais c'est pas du tout les mêmes touches que dans Arkham, que dans les autres Batman en fait. Tout simplement. Désolé, patron. Ça a été plus long de le trouver que vous ne le pensiez. Oh, pardon. J'essaierai d'être plus précis la prochaine fois que je m'approprierai une idée. Hey, je voulais pas... J'accepte les critiques, hein? Je ne suis pas parfait. Enfin, en y réfléchissant, je suis presque parfait. Pas vrai? On l'était. Ah oui, tu me critiquais, sale vermine. Le vermine, il n'est libre que parce que j'ai fait ouvrir sa cellule. C'est une chose que je ne tolérerai pas! Désolé, patron, je voulais pas dire ça. Pitié! Oh, comme tu me sembles sincère, j'enverrai simplement quelqu'un casser les jambes de ta femme. Mais Joker! Ma générosité te pose un problème. Tu m'écoutes ou quoi? Je vais t'apprendre à me raccrocher au nez. Sale vermine! Je crois que je peux le récupérer avec la batte griffe. Il est peut-être trop loin, non? Ça va être la tyrolienne. Ça sera pour la tyrolienne. Ça aurait été dans un autre jeu Batman Arkham, j'aurais pu le récupérer avec la batte griffe, mais là,
Elle n'est pas suffisamment longue. Je parle de la Batgriffe. Mon voyage dura à peine un mois. Je découvris de nouvelles idées en rencontrant des universitaires à Metropolis et Keystone. Je regagnais ma demeure, plein d'espoir, pressé de revoir ma femme et ma famille. Je tombais à genoux dans leur sang, des fragments de ma vie coulant entre des doigts écarlates. Bon, puis comme j'expliquais, j'ai changé de boulot au mois de janvier, donc du coup maintenant je suis passé à 40 heures et non plus à 35. Donc du coup, ben, ça fait toujours 5 heures en moins de temps libre. Hein. Et en 5 heures, moi je peux vous faire 5 vidéos de 1 heure. Hein. Donc c'est vrai que ça joue énormément, on n'y pense pas, mais ça joue énormément sur le reste quoi. Pourquoi est-ce que c'est à nous? C'est Batman! Merde. Ah, bâtard. Batarang. Bref, c'était de la merde. Hop là, c'est d'où je viens, ça. Et là, je peux le choper, tu crois, avec la... Non, pas encore. Mais on peut peut-être pas du tout, hein, dans Arkham Asylum, choper les trucs avec la Batgriffe. Je ne me rappelle plus très bien... Ça servait à rien de venir ici, je savais, mais c'était pour déclencher la petite cinématique qui va bien. Il est déjà là? Hé, vous vous fichez de moi? Cette chose n'est pas un homme. Bon sang! Bonjour, je suis le docteur Gretchen Whistler. Vous me comprenez? Ouais, je t'ai entendu, sale garce. Quand est-ce qu'on dîne, j'ai faim. Un ennemi que je n'apprécie pas plus que ça. Je me suis renseigné sur le docteur Young. Ses relevés bancaires indiquent plusieurs paiements reçus depuis avril dernier jusqu'à il y a 2 mois. Puis, plus rien. Les paiements provenaient d'une société dirigée par un certain Jack White. Un des anciens surnoms du Joker. Il paie donc le docteur Young pour créer son armée, et puis soudain, il l'arrête. Ça n'a aucun sens. Alors, je vais en avoir le cœur net. Ok, non, on peut pas. On peut pas, dans l'asylum, les récupérer avec la Batgriffe. Voilà, fous-toi bien de ma gueule, tu vas voir que d'ici une dizaine, quinzaine de trophées en plus, déjà tu vas commencer à rire jaune. En tout cas, je me lasse pas de Batman Arkham Asylum. Hein. Contrairement à Arkham City par exemple, qui a tendance à me saouler, je l'ai trop fait et... Et du coup, je pense que je compte le faire pour la chaîne House Comics, mais
je pense que je vais re-upload les épisodes que j'avais fait en 2017 pour la chaîne Alternativia en fait. Parce que je me sens pas repartir sur une aventure sur Arkham City. Étant donné qu'il faut que je fasse Arkham Knight, j'ai peur de me dégoûter des jeux Batman, tu vois ce que je veux dire? Si j'enchaîne les deux, je préfère passer directement à Arkham Knight après Asylum. Et entre temps, vous re-upload les épisodes que j'avais tournés en 2017 sur Arkham City, étant donné que j'avais fait le jeu à fond. C'est bizarre. Les virements sur le compte du Dr. Young ne se sont pas arrêtés. Ils ont été refusés. Le docteur a bloqué son compte. On dirait qu'elle a changé d'avis. Elle a tenté de bloquer les paiements. Le Joker n'aime pas que ses partenaires l'abandonnent. Alors, il a décidé de revenir à Arkham, de trouver la formule et de créer l'armée lui-même. Exactement. Voilà, zone dans laquelle le grappin ne me sera d'aucune utilité étant donné que tout s'effrite. Et je suis obligé de me frayer un chemin à la force de mes bras. J'ai pu rater sa messagerie. Deux emails sortent du lot. D'abord une lettre de démission de la semaine dernière. On dirait que Young a voulu fuir. Et le deuxième ? Un message du Joker, enfin, de Jack White. Il est long. Le supplie d'arrêter l'expérience. Lui dit que c'est trop dangereux. Il ne l'écoute pas. Voyons. Des menaces à sa famille, quelques blagues vaseuses, oh, la photo d'un bébé mort, et une menace. Continuez. Il lui dit qu'il vient la chercher, qu'il veut ce qu'il a payé. Puis, une blague sur les chaises roulantes. Charmant. Et le dessin d'un âne. Pas étonnant qu'elle soit terrifiée. Je remonte à la surface. Je la trouverai. Arkham Asylum, c'est clairement le jeu dont je ne me lasse pas. Je sais pas, il y a un truc qui est, quand j'y joue qui me fait kiffer. Une réelle sensation de progresser, je sais pas, il y a un truc. Peut-être que ce jeu me rappelle tout simplement le dessin animé que je matais quand j'étais gamin. Notamment le combat avec Poison Ivy. Il y a un truc dans les parages. Je me rappelle plus où c'est par contre. Parce que là, si je monte là, je vais bientôt avoir fini la petite ascension. Donc du coup, c'était bien avant. Ça devait être en bas. Là, tu as le point d'interrogation. Tu as le point ici. Non, je te raconte des conneries. C'est juste un spot à la con. C'est un point d'interrogation qui est là-haut et il faut... Ok, c'est bon, je me rappelle. Oh, putain, mais je suis bourré ou quoi, moi? du coup, c'est qui m'ont remis, là? J'arrive pas à voir... Ah, ok. Pas encore là. Et c'est pas encore là qu'on va se rendre compte que l'eau est polluée, non? Non, c'est pas encore maintenant. Parce que c'est encore un endroit que je vais devoir retraverser plus tard dans le jeu. Il est ici, point d'interrogation. Hop. Très bien. Après, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, ok, tout simplement.
puis là-bas, ça sera pour plus tard dans le jeu. Il n'y avait pas un truc à péter ici? Non, je dois confondre. Séance de patient enregistrée numéro 2. Nom du patient, Willon Jones, alias Killer Croc. Est-ce que c'est la partie où tu essaies de me raisonner? Tu trouves pourquoi j'ai fait ça, Doc? Nous sommes là pour vous aider, Monsieur Jones. Alors, t'as un traitement pour moi, Doc. Tu peux me rendre normal. Normal est un mauvais choix de mots. Personne n'est vraiment normal, n'est-ce pas? Si tu le dis, alors qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Tu me laisses partir maintenant et je ne te mangerai pas. Vous ne mangez pas vraiment les gens. Ce n'est qu'une légende urbaine. Tu crois? Continue à le croire, Doc. Ouais, Killer Croc est vraiment un des ennemis dont je me branle littéralement dans l'univers Batman. Je trouve qu'il apporte rien en fait. C'est juste le gros bebeu qui est juste là pour défoncer des têtes en fait. Et qui se fait très rapidement stopper par Batman. Cela dit, il y avait un épisode dans le dessin animé qui était cool. Même si le Killer Croc du dessin animé était un tant soit peu ridicule parce que c'était pas l'espèce de méta-humain qu'on a là, quoi. C'était pas l'espèce de dinosaure que tu as dans par exemple dans Batman Hush ou alors dans les jeux Batman Arkham. C'était plus une espèce de gugus avec une maladie de la peau. Enfin, tu voyais que c'était pas du tout la même chose. Et du coup, y a un épisode qui est quand même cool dans le dessin animé avec Killer Croc. C'est quand ils se battent dans une espèce de petit village de nuit là. Je me rappelle plus très bien, mais je sais que cet épisode m'avait marqué. Et tu as une espèce de moulin à eau en plein milieu du dessin animé en fait. Je me rappelle plus très bien ce qui se passe, mais en tout cas il m'avait marqué cet épisode. Et je vous le conseille. Enfin, je vous conseille le dessin animé tout court de toute manière pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Si ça existe. Voilà. Et là, il y a du sniper. On dirait que les malfrats du Black Gate ont accès à l'arsenal. Faut que je passe par là. Alors il y a son pote qui le couvre lui normalement, donc faut que je fasse attention. Parce que tu vois, il y a son pote là-bas qui regarde quand même. Là je peux y aller. Là-bas, il est aveugle, impeccable. Est-ce que ça existe l'élimination sur rebord dans ce jeu? J'ai pas l'impression. Et ici, il n'y a pas de truc. Non. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un petit trophée là au-dessus. Parce que c'est souvent le cas. Bon, c'est tout bon. Par contre, ici, je crois que j'ai un point d'interrogation
à reconstituer, mais je me rappelle plus où il est. Ou alors j'ai déjà fait. Bon, je vais déjà m'occuper des connards qui sont là. Ah, on peut pas stopper le grappin en plein vol. Ok. Une carte aidera toujours ceux qui sont coincés. Ici, il y a un truc à gérer avec le séquenceur cryptographique. Il y a un easter egg sur Harvey Dent dans l'autre Gitoon, me semble-t-il, mais je peux pas y accéder encore. Cette vieille embuscade de merde. C'est vrai qu'ils étaient un peu feignants quand même, Rocksteady, sur les ennemis. Hein. Parce que là, concrètement, depuis le début du jeu, on a affronté deux types d'ennemis différents. Des mecs sans couteau et des mecs avec des couteaux. Ah, il y a eu les snipers également. Bon, allez, j'ai rien dit, je suis mauvaise langue. Mais c'est un peu léger quand même. Après, on va me dire oui, c'est normal, c'est le premier jeu. C'est pas vraiment une excuse, ça, les mecs. C'est pas parce que c'est un premier jeu que tu dois te reposer sur tes lauriers. C'est quand même pas compliqué d'inventer, je sais pas moi, une petite dizaine de types d'ennemis différents, quoi. Rien que ça, ce serait déjà pas mal. Mais là, on les a pas dans le jeu concrètement. Alors, des snipers aussi. Il y a les autres en face là-bas, ouais. Je me rappelle de ça. N'oubliez pas de garder un œil sur tout rongeur volant durant votre service. Bon, tu bouges ou tu bouges pas? Tu bouges ou je viens de chercher? Je crois qu'il va falloir que j'aille le chercher, ce connard. Ouais, il va falloir qu'ils s'appliquent dans le film Joker, là, parce qu'ils vont essayer de nous inventer une origin story au Joker. Et, quitte à lui en faire une, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, selon moi, mais ça, je l'ai déjà dit. Quitte à en faire une, autant qu'elle soit originale, en fait. Et j'ai peur, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, qu'on va avoir le droit à l'origin story classique du méchant, du serial killer, du psychopathe, qui se faisait maltraiter par...
par ses parents et où la société lui en voulait, etc. etc. Genre de foutaise quoi, tu vois. Rejeté par la société, nanani nananer. Et ça m'emmerde qu'on fasse du Joker un simple psychopathe en fait. Il commence déjà à paniquer là, hein, ce connard. Ça, je m'en fous. Lancement des combos spéciaux. Il y a la santé. Il y a le triple batarang qui est pas très utile pour être franc. Je vais débloquer les combos. Parce que tant que tu débloques pas le niveau 1, ce qui est logique, t'as pas accès au niveau 2. Et le niveau 1 est pas très efficace, mais ce qui vient après, ça me plaît un peu plus, on va dire. Donc là, il y en a aussi quelque part. Alors, il y a ça. Je repris le travail, mais ne parvins pas à chasser ces images. J'aurais dû être écœuré, mais je brûlais surtout de trouver une explication à ces actes horribles. J'aime beaucoup l'histoire d'Amadeus Arkham. Ce mec est devenu complètement taré à la suite du meurtre de sa femme et de sa fille, si je ne m'abuse, par un serial killer justement. Et j'étais persuadé qu'il y avait un trophée dans les parages, il est peut-être au-dessus. Bien caché. Tu gagnes mon respect, des psychotiques. Je vais en profiter pour éliminer ces deux connards. Ah, je suis l'abruti de service. Oh, ça passe, hein. C'est passé, j'avais peur de passer dans leur viseur, tu sais, en planant comme ça. La batte griffe, voilà. Psychotique, tueur, mutilateur.